somma l'uva, ubente dalla bugna, somma l'uva, somma l'uva, somma l'uva, ubente dalla bugna, somma l'uva. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Georges Seba et je fais cette vidéo pour rendre hommage à un grand homme que nous appelons affectueusement le Baobab, pour rendre hommage à Manu Dibango, un hommage avec beaucoup de tristesse, parce que nous ne nous attendions pas à ce départ. C'était véritablement un départ inattendu parce que c'était un homme extraordinaire, un homme que j'appelais un rock, un homme qui était fort. Moi, je lui donnais de continuer jusqu'à 100 ans. Il avait une telle énergie, une envie de jouer. Il avait une bonne humeur qui était tout à fait contagieuse et transmissible. Un rire formidable. Un homme qui avait une pêche et il était effectivement imprévisible de croire qu'il serait si vite parti. C'était un homme humble qui savait descendre de son piédestal. Et lui qui était pratiquement un père pour beaucoup d'entre nous, il se comportait plutôt comme un grand frère aimant et généreux. Généreux parce qu'il était toujours prêt à jouer, à partager les notes, à partir du moment où ça lui plaisait, parce que c'était également un homme très exigeant sur le plan musical. Et moi, je garde un souvenir extraordinaire. Je reste sur ma faim parce que nous avions un projet ensemble où il a voulu bien participer. Il est venu jouer du saxophone dans la prochaine chanson que je vais sortir, que j'ai écrite pour Yaoundé. Et il est venu jouer du saxophone. Il s'est prêté au jeu du vidéogramme également. Et ce sera un véritable hommage lorsque ce vidéogramme va sortir. J'en suis très honoré, très touché. C'était un homme affectueux, et moi je peux en témoigner parce que, alors que je me trouvais dans une situation dans une passe difficile, il était là pour m'encourager lors des obsèques de mon épouse Marie-Lou, et il me donnait des conseils qui resteront toujours dans mon cœur, que par pudeur je ne veux pas dire ici. C'était également un croyant, et moi je peux me vanter d'avoir eu le privilège d'avoir participé à son seul album gospel, qui était Lama Sabatani, et j'en suis véritablement fier, j'en garde un souvenir formidable de cet homme qui était croyant depuis son enfance et qui a gardé sa foi jusqu'au bout, qui l'a chanté sur les plus grandes scènes du monde. Et quel souvenir encore je garde de lui, c'est simplement dire que il me manque les mots. Je suis véritablement touché parce que j'avais une relation, comme beaucoup d'entre nous, une relation particulière, une affection particulière, et il laisse un grand vide, que dis-je, il laisse un gouffre pour la musique mondiale, pour la world music, pour la musique africaine, et particulièrement il laisse un gouffre pour la musique camerounaise. Salut l'artiste.